I found the Isle of Patmos, a man was cast one day. As he was left alone to die, he began to pray. The Holy Ghost fell on him, the Spirit he came down. When he began to ride my Jesus on, Revelator's name was Jacques. Jacques the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Jacques the Revelator, and when he looked. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Une mise en prix. À Fiatine? Ok. C'est dans quel domaine? En éducation. J'enseigne à des étudiants qui deviennent des enseignants au primaire ou en adaptation scolaire. Puis je suis chercheur, je fais des recherches. Vous cherchez quoi? Ah, on cherche bien des choses. Mes recherches portent sur l'apprentissage de la lecture-écriture chez le jeune enfant. Non, oui. Jeune enfant, c'est quel âge, ça? Entre 5 et 12 ans, l'âge primaire. Les enfants qui entrent à la maternelle et qui sortent de l'école primaire. Ils apprennent à écrire première année, mettons, à peu près, même avant ça? Oui, bien, en fait, les enfants apprennent à écrire formellement, c'est-à-dire... avec l'enseignement en première année, mais disons que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui arrive avant qu'ils entrent à l'école aussi. Quand les enfants... À la maternelle? Oui. Qu'est-ce qu'il y a avant que les enfants apprennent à écrire? Ils jouent, ils s'amusent dans l'amusement, donc vous commencez déjà à faire d'éducation. Oui. Puis aussi savoir qu'est-ce que les enfants savent sur l'écriture avant même qu'on leur en apprenne. Ils doivent en connaître pas mal en général, hein? Oui, pas mal plus qu'on pense. Oui. Ils sont très stimulés, les enfants, de nos jours. On les sous-estime souvent trop. Ah oui, hein? Ben, on chiale souvent après les jeunes, ça. Dans un salon, ça s'entend souvent. À quel âge un enfant sait lire, à peu près? En principe, on parle de la première année, du primaire. Mais beaucoup savent beaucoup de choses sur la lecture. Mais comme savoir lire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, en fait, savoir lire, ça peut vouloir dire savoir prendre un livre seul et le lire de façon autonome, mais ça peut aussi vouloir dire à 4-5 ans, prendre un livre puis essayer de se rappeler l'histoire que son parent lui a lue. Ça peut vouloir dire aussi savoir prendre un livre dans la bonne orientation quand l'enfant a 3 ans, par exemple. Vous devriez former des parents? Ah, ben. Je seconde. On ne sait pas des fois l'impact qu'on peut avoir sur, l'éducation de notre enfant. Ah oui, mais ça, c'est vraiment important. Hein? Les parents, ce sont les premiers qui influencent l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les petits. Hein? Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui nous disent qu'on ne devrait pas montrer à nos enfants à lire à la maternelle parce qu'ultimement, en première année, ils n'auront plus rien à faire. Oui, moi, j'ai peur que ma fille s'ennuie. Hein? Moi aussi, je me pose la même question d'une petite fille à maternelle. Hein? Bien, je pense que l'idée, c'est... Il n'y a pas une réponse toute blonde, toute noire à ça, mais je pense que l'idée, c'est de répondre aux intérêts de l'enfant. Si l'enfant veut en connaître plus, mais comme parent, je pense qu'on doit susciter la curiosité de l'enfant. Un enfant qui a vraiment des troubles d'apprentissage là, du français, mais de la langue, de lecture, puis des les fautes d'orthographe, puis tout ça, qu'est-ce que vous... Travaillez-vous un peu là-dessus? Qu'est-ce que vous faites pour ça, avec des idées? Bien, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire pour tous les élèves, c'est d'essayer de faire en sorte que la langue française soit la plus logique possible pour eux. Mm. Qu'on essaie de l'enseigner avec... de la cohérence, par exemple, les mots de la même famille. Le T à la fin de l'éléphant. Comment on fait pour l'apprendre par cœur? Est-ce qu'on l'apprend par cœur? C'est quoi le moyen le plus utile pour s'en souvenir? Ben, c'est peut-être de se rappeler les mots de la même famille. Qu'est-ce qu'on fait comme mots de la même famille avec éléphant? Éléphanteux. Éléphanto. C'est bon. Donc, ça peut être des exemples de stratégies qu'on peut utiliser avec les enfants, qui sont en difficulté, mais tous les enfants. Puis comme, mettons, en ce moment, qu'est-ce que vous leur dites aux profs? Vous leur conseillez quoi?
c'est bien, en fait, par exemple, qu'est-ce que je dis aux profs dans les écoles, c'est d'essayer d'enseigner la lecture-écriture dans des contextes les plus réels possibles, d'enseigner avec la lecture avec des vrais livres. De donner le goût de la lecture. De donner le goût de la lecture avec des vraies situations. Bon, de présenter, si les garçons aiment les romans d'aventure, bien qu'on leur présente des romans d'aventure. S'ils aiment les magazines sur les tracteurs, bien qu'on leur présente des magazines sur les tracteurs pour les amener vers d'autres lectures un peu moins familières par la suite. Mais partir des intérêts des enfants et partir aussi de situations qui sont les plus réelles possibles avec la langue écrite en lecture, mais aussi en écriture. Quand on écrit pour dire quelque chose à quelqu'un, pour se souvenir de quelque chose. Quand on fait une liste d'épicerie, hein, oui. Donc c'est de... OK, tout simplement. Là. Tout simplement. Okay. On écrit pour se rappeler, on écrit pour parfois... Une carte à sa grand-mère pour son anniversaire. Exactement. Ah oui, OK. Donc, c'est vraiment de susciter les contextes les plus réels de communication dans les classes. Mais il faut aussi que pour devenir bon en lecture, il faut lire. Hein? C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en lisant qu'on devient bon lecteur, puis c'est en écrivant aussi qu'on va devenir un bon scripteur. Donc, dans les écoles, il faut souvent sensibiliser les enseignants à l'importance de faire écrire les enfants très tôt. Ah oui, hein? Il n'y a pas juste la lecture qui est importante, il y a l'écriture aussi qui a sa place dès le tout jeune âge. Ne serait-ce que la motricité fine pour y parvenir? Ben oui. Puis, parfois, bon, ce n'est que d'écrire son prénom lorsqu'on fait un dessin en maternelle. Bien, c'est un moment de pratique, ça. On se pratique à écrire pendant qu'on écrit son prénom. Je vous couperai les pointes. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour favoriser justement... à la maison, par exemple, dans la vie de tous les jours, là, pour favoriser justement le fait que ça puisse les intéresser, la lecture, l'écriture. Mm-hmm, mm-hmm. Bien, je pense que c'est d'être d'abord des bons modèles comme parents. Mm-hmm. Des parents qui lisent, puis qui écrivent et qui permettent aux enfants de voir papa lire, de voir maman écrire la liste d'épicerie, que les enfants comprennent que la lecture et l'écriture, ça peut être utile dans la vie de tous les jours. Oui. Et bon, les moments de lecture avant le dodo, bien ça, c'est précieux. Puis on sait à quel point c'est important et que les enfants apprennent tellement de choses à partir de la lecture. Ils aiment tellement ça, en plus. Mais oui, mais oui. C'est un beau moment pour le parent avec son enfant, c'est un beau moment pour l'enfant. Ouais. Puis en même temps, l'enfant apprend tellement de choses qui vont l'aider quand il va arriver à l'école. Puis quand ils sont plus vieux, puis qui ont tendance à vouloir peut-être décrocher, puis tout ça, qu'est-ce que, avez-vous des... Je sais que votre terrain est plutôt basé sur les jeunes, mais quand ils sont rendus adolescents, là... Bien, en fait... Il y a toutes sortes de... C'est sûr qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place dans le milieu pour tenter de travailler avec les enfants qui décrochent. Moi, l'idée que mon travail, c'est vraiment de travailler avant que les enfants pensent à décrocher ou voient cette option-là, c'est de travailler à mettre l'intérêt puis à susciter le goût de lire, puis surtout susciter le goût de lire pour tenter que les enfants soient bons en lecture et écriture. C'est qu'ils se sentent bons, parce que s'ils se sentent pas bons dans exactement. Beaucoup d'affaires. Hein? Parce que c'est comme, on peut penser à nous, quand on se sent pas bon dans quelque chose, on n'a pas le goût d'avancer. Puis dans le fond, ils sont bons, là. Ben oui, Sont bons, les enfants. Faut leur faire confiance. Faut leur donner confiance aussi en ayant nous-mêmes confiance. Tout à fait. Est-ce que c'est à votre goût? Oui. Oui. Merci. Merci à vous. Puis, bonne chance. Oui, on va vous en faire des enfants qui savent lire. Là. C'est bien. Merci. Bon, 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 bon. Upon the Isle of Patmos, a man was cast one day. As he was left alone to die, he began to pray. The Holy Ghost fell on him, the Spirit he came down. When he began to write about things, he saw the Revelator's name was Jacques the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was Jacques the Revelator, and when he looked around, he saw feet like brass, eyes like fire, heard a great voice, and come up high. He was Jacques the Revelator.
wrote about the city of God.